Sylvano Dragon 118, accompagné d'Alex Dragon, qui est ici. Salut Alex. Salut les gars. Comment ça va, Alex? D'un chauve. Comment ça va, Alex? Oui, j'ai pris le bon perso. Oh bah ça va tranquille. Génial le perso, sauf pas. Bah oui, il est vraiment sublime. On se croirait dans les premières classes. Alors, aujourd'hui nous allons présenter un gameplay sur le jeu favori d'Alex et moi quand on est ensemble. C'est vraiment un jeu qu'on surkiffe, qui est donc Resident Evil Revelation. Alors vas-y, je te laisse nous le présenter. Et c'est ouais. Toi le plus fort pour le présenter le jeu. Alors, Resident Evil Revelation, oh mon dieu, ça commence là. Oh mon dieu. Alors ce jeu dans l'histoire des Resident Evil se passe juste avant Resident Evil 5. Dans cette époque là, et il faut savoir que Ah, mais il est là lui! Je cavoulais en plus! Attends, le jeu est à la base un jeu sur 3DS, mais qui a été sorti sur Xbox en refait en HD. Ouais, tous les petits détails graphiques faisant penser à une DS parfois. Mais ça c'est vraiment un détail. Mais franchement il est super joli comme jeu. Bah, comme les Resident Evil, hein, c'est un survival horror. Oui, pour info, on aime vraiment bien les jeux survival horror jouables en coop. C'est vraiment nos genres favoris. Ouais, bah, on risque souvent de nous faire des vidéos là-dessus. Salut. Salut, comment ça va? Putain, je galère pour ouvrir les portes. Mais... c'est tellement longtemps que j'ai joué. Ah donc comme vous le voyez, c'est un jeu, franchement, je trouve vraiment bien fait. Il est vraiment superbe. Ouais. Qui, il y a des fois, vous risquez énormément de vous marrer, mais alors d'autres, vous avez des gros moments de flip. Vous avez des gros moments de flip, et il est vraiment génial comme jeu. Pour un Resident Evil, on peut dire la licence est commencée à tomber assez bas parce que ça commençait vraiment à faire beaucoup de jeux d'action et plus vraiment de faire flipper. Mais Resident Evil Révélation, si on peut dire. Bah, franchement, il est bien fait pour au moins ça rappelle les bons vieux Resident Evil. C'est assez angoissant, ouais. Ah oui, oui, franchement. Au moment où vous êtes dans la campagne, c'est très angoissant. Parce que là, je tiens quand même à préciser. C'est votre coéquipier qui vous laisse tout seul. Exactement. Je tiens quand même à préciser qu'on est en difficulté vraiment facile. On est la première difficulté, on s'est mis niveau 6 pour vous présenter le jeu. Mais on vous fera un petit commentary sur un mode abyss. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout pareil. C'est vraiment, il y a beaucoup plus de monstres. C'est beaucoup plus chaud de les, de les tuer. C'est beaucoup plus chaud. C'est beaucoup plus chaud de les shooter. Ils ont beaucoup plus de vie. Et bien sûr, on aura des armes un peu plus augmentées parce que là, c'est mini niveau 6 parce qu'on peut changer son niveau. Donc on s'est mis niveau 6, c'était juste pour se remettre en forme sur le jeu, pour vous faire une petite présentation sympa, à l'aise et tout. Mais on se mettra au niveau max et on vous fera une vidéo sur un niveau qui s'appelle Abyss. Donc c'est vraiment beaucoup plus dangereux pour survivre, beaucoup plus dur. Et vous allez voir, c'est vraiment énorme. Ouais. Donc ça change tout. Bah oui. Aïe. Bon voilà. Aïe, lâche-moi! Je veux pas mourir! Ah non! A choper! Wow. Là, ça commence. Vous voyez, c'est même en facile, hein, il y a de l'action! Tout à l'heure, vous m'avez peut-être vu tirer avec le pistolet et vous avez dû vous demander ce qui est arrivé parce que j'ai tiré toutes mes rafales. C'est une amélioration que j'ai installée sur mon gun. Hein. C'est tir rapide, non? C'est salve totale. En gros, dès que vous appuyez sur la gâchette, toutes les balles partent. Donc, il y en a qui aiment pas. Moi, j'adore ce truc. Ça permet d'arriver à se démerder de certaines situations. Et donc, c'est pas un cheat. Hein, je tiens quand même à préciser. Dans les commentaires, ne mettez pas cheater entre ça. C'est vraiment une amélioration. Donc, vous pouvez améliorer vos armes parce que là, on est en ligne. En gros, c'est un mode ligne où on est à deux. Donc soit entre potes, soit... C'est pas du tout pareil que la campagne, hein, pour information. Ah non, la campagne, il n'y a pas les barres de vie au-dessus des monstres. C'est des missions... C'est côté RPG, le mode multi. Des missions aléatoires. Pas aléatoires, mais des missions qui reprennent la campagne, mais qui sont pas comme la campagne. Déjà, bah, c'est jouable à plusieurs, et la campagne d'origine, on peut pas jouer à deux. Ouais.
y a un système de niveau. Ouais, aussi. Donc. Avec les armes aussi ont un niveau, les améliorations des armes, ça, les améliorations on peut aussi les faire dans la campagne. Ouais. Ouais, non, ça, il y a. Ah, le pont promenade. Ah oui, donc nous sommes sur la map pont promenade. Donc là, vous allez découvrir le pont promenade du bateau. Que j'étais pas très joyeux de faire ce niveau. Que vous allez découvrir le monstre qui nous fait vraiment le plus stresser. Donc là-bas, c'est notre sniper préféré. Sniper. Ce monstre est nommé. Pardon. Jack Dead. Mais on peut faire, à cause de certains antécédents dans les autres Resident Evil, la plus simplement méca tronçonneuse. Aïe! Ça. Je te rouge! Comment, oh, comment on soigne? Ah bah, comme ça, oui, c'est bon, j'ai retrouvé comment se soigner. D'un coup, j'ai vu ton icône en rouge là, je sais pas ce que. Ah non, mais. Bah, l'autre avec son sniper. Ouais, d'accord, lui, son... le sniper qui m'a mis une de ses balles, j'ai rien compris. Enfin, c'est pas une balle, c'est. Je sais pas ce que c'est. Il y a eu un bug, le mec il a volé, deux heures après. Il a pris l'explosion là. Non, là, je. Aïe, 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 aïe. À ce point-là. Comment ça va les gens? Conada, conada. Comment ça va les gens? Je suis en mode pour voir. Oh là 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 là. Je sais pas toi, mais de mon point de vue, il ne bouge plus. Ah, moi, c'est bon, il s'est relevé le gros géant. Oh putain, ça fait plaisir d'en rejouer à ce jeu. Je sais pas ce que. Je sais pas ce que toi t'en dis, mais moi, ça me fait trop plaisir d'en rejouer à ce jeu. Vraiment génial, je trouve. On peut vraiment bien se marrer et avoir de gros frissons. Oui. Franchement, il revient. Ah, il a spawn. Ils ont fait fort. Aïe, 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 aïe. Il a spawn. Il a apparu devant moi. Maintenant, n'a pas le. Il se ramène. N'a pas le droit. Attends, j'ai cru entendre le mec à ton son. C'est pour ça que j'ai stoppé ma mon dialogue automatique direct. Maintenant. Putain. Oh là là. Oh. On peut entendre des bruits chelous. Hein. Ouais, ouais. Donc, je. Ouais, il t'entend un gros. Salut. Faut aller lui ouvrir la porte, non? Ou il vient tout seul? Qui? Le mec à notre fameux. Circular Man, je sais pas comment tu veux qu'on l'appelle. Ouais, il vient tout seul. Ouais, il sait se débrouiller. Vous allez voir, alors là, c'est un monstre qui est vraiment très, très, très dangereux. Quand il va se ramener. Ouais. Ah oui, ce qu'il dit peut vous fait frissonner, franchement. Non, mais ce type-là, faut lui chanter la chanson des enfoirés, hein. Parce que franchement. Ah non. Il a besoin d'avoir faim comme ça. Ah non. Ah non. Yeah. C'est qui ça? Il est mort. Ah non. Oh non. On n'utilisera pas le nom de code pour ce spécimen parce que. Nous avons notre code particulier, mais bon. On n'a pas trop le droit sur YouTube de dire ça comme ça. Donc on va l'appeler le nom. Entre la campagne et le multi, dans le multi on peut recroiser les mêmes monstres mais en version nain ou en géant. Ah oui, les tailles différentes. Non, dégage. Ah, aïe, aïe, aïe. On se casse. Dégage. Bouge de mon chemin. Hey, salut. Non, 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 non. Non, je sais pas si vous l'entendez de mon téléphone. Ah oui, attends. Ah, un leurre. Comment ça se fait? Grenade. J'entends pas ce que moi. Non, c'était pas un leurre, ça. C'est un des seuls Resident Evil où il y a énormément de sortes différentes de grenades. Donc il y a une grenade à choc que vous avez du. Non, il est là-bas. Une leurre qu'on pose, donc tous les zombies vont dessus. C'est très utile pour le barrer. Lâche-moi. Une grenade qui font un flash blanc et qui permettent de choquer l'ennemi. Ce qui permet de faire l'attaque spéciale, comme vous voyez. L'origine, tout simplement. Oh mon dieu. Qui font un gros boom. Le grenade. Il est où? C'est un bon truc. Il est là. Bah, il est devant moi. Ça, c'est bon à savoir. Je crois qu'il m'aime pas. T'as vu la taille du truc? T'as vu la gueule du truc, surtout? bah, attends, je vais montrer la grenade à choc si je la retrouve. Normalement c'est celle-là. Voilà. Non, non, elle n'a pas été choquée. Si, c'est bon. Dans sa face.
Ouais, je suis humain et. Il oh dit. Là, il a. Dans la campagne, c'est le tout premier boss. Ouais. Ouais, mais bon. Il y a pas énormément de boss, mais c'est très dur à battre. Ah, vous voyez, hein, ça a beau être un petit niveau. On a beau avoir bien amélioré nos armes, il est quand même chiant à tuer. Et si vous. J'ai vidé tous mes chargeurs de toutes mes armes, mon gars. Si il vous touche, il vous one shot. C'est aussi sympa à savoir. Niveau haut. Oh là 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 là, même quoi il disparaît. Oh explode. Mais t'es. Non, 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 non. Non. Je te viens pas en aide, toi. Non, c'est sûr, on va le laisser plutôt mourir. Non, oui, il peut. S'il vous touche, il vous hausse. Ou alors il vous met directement en émo. Et donc, c'est vraiment. C'est risqué de se faire toucher. Hein. On évite. Hein. Il y a ouais, une chance sur deux qui vous hausse. Ouais. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on vous présenterait la façon dont il vous tue. On va pas vous montrer ça aujourd'hui. On va éviter. Non, j'ai pas envie. Ah, non, je tiens mon corps. Moi aussi. J'aimerais rester comme je suis. C'est un ouais, donc. Cette mission là en Abyss est vraiment horrible. Franchement. Oui, ça va parce qu'on est vraiment bien expérimenté sur ce jeu là. Ouais, mais ouais, ça va. Si on l'aurait mis en Abyss, on n'aurait pas fait long feu. Non, pour se remettre dans le jeu, non, c'est pas ce qu'il y a de recommandé. Oh mon dieu. C'est pas le truc le plus recommandé. Voilà. Quand on veut reprendre le jeu. Oh my god. En fait, vous voyez, par contre, les dégâts des balles sont calculés. Hein. Si on tire dans la tête, ça fait plus de dégâts que dans le corps. Pour choquer un ennemi. Bah, comme je disais tout à l'heure, il y a le multi, c'est vraiment, il y a un petit côté RPG. Ouais. C'est sympa. Pour choquer un ennemi, à part aussi. Les grenades à choc, c'est en tirant dans les bras, c'est ça. Faut leur péter les deux bras pour les choquer. Oh mon dieu, sniper géant. Sniper boss. Et t'allais dire quoi? En fait, je suis en compte d'origine, ça fait un peu. Ouais. Voilà. Vous voyez que ce monstre qui tire à distance, donc quand vous le tapez au corps à corps, ça fait plus de dégâts que si on tape au corps à corps sur les autres monstres. C'est sa faiblesse. Très faible au corps à corps. Par contre, quand vous n'allez pas attaquer un mec à la tronçonneuse au corps à corps, hein, c'est un peu du suicide. La bonne blague. J'adore ce jeu. Et voilà la fin du niveau, les gars. Ah bah j'aurais cru que ça aurait été plus longtemps, on avait prévu de couper le truc, mais même pas. Donc voilà, vous voyez le oh. bel insigne. C'est beau. Faut allez, dans ce signe, là. Pour l'incul. Et ça finit la fin du niveau. Exactement. Donc, la petite fin. Alors, quelque chose aussi que je voudrais préciser, l'avantage de ce Resident Evil, c'est qu'il est très simple. Les touches, la facilité de prise en main, elle est énorme. Ah oui, bah oui, franchement. Au bout de une ou deux parties, les touches sont très simplifiées. Ah oui, là, franchement, je suis d'accord. C'est vrai que c'est très Xbox, très facile. Par exemple, Y, vous utilisez une herbe, vous visez, tirez. Ouais, enfin, oui, c'est franchement, oui, c'est très très simple à utiliser. Donc, tu as la barre d'XP. Ouais, j'ai pas beaucoup d'XP. Donc, vous voyez, on gagne des armes à chaque niveau. On a des armes en plus. Donc, je sais pas si vous allez très très bien le voir sur la vidéo. Je suis désolé. Je peux pas faire mieux. Pour l'instant. Ouais, on gagne aussi des modes. Ouais. Donc, je vais le vendre ça parce que ça me sert à rien. Vu qu'on n'est pas de ce niveau-là, on n'est pas niveau 6. Hein. Pour ma part, je dois être niveau 40 presque. Alexandre est un peu plus HL, on va dire. 46. Ouais, voilà. Donc ça nous sert un peu à rien de garder ces trucs-là. Ils vont enlever ça. Ouais, j'avoue. Et. Quel temps que j'ai mon succès. Ah oui, un truc qu'on voulait préciser pour les vidéos. Quand est-ce qu'on va poster les vidéos? Donc on s'est défini des périodes avec Alexandre. Pour nos commentary à deux, on sait. Ou nos commentary solo, mais bon, entre nous deux, on s'est défini notre temps. On allait poster une vidéo le lundi soir ou matin, et vendredi matin ou soir. Donc on va essayer de respecter ce choix. Si on le change, on vous préviendra le plus vite possible. Bah directement à la vidéo postée, on vous dira. Ouais ouais, c'est ça. Et bah, c'était ça qu'on voulait surtout dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'on a à peu près. On a à peu près tout de dit, façon, j'ai l'impression. On fera beaucoup de vidéos. Ouais, pas mal sur ce jeu-là. Ouais, ouais. On vous incite à aller voir les autres vidéos qu'on a fait.
Si vous avez apprécié, laissez un commentaire si vous voulez plus de vidéos sur, sur les jeux qu'on présente. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez nous suivre, bah abonnez-vous, hein. C'est vous qui voyez. Et bah on vous souhaite on espère que vous avez aimé, et voilà. Bon bah à plus les gens. Allez, salut. Salut.